la réussite est un véhicule. Le carburant, c'est la persévérance. Jean-Marc Girandou, Maître Cheikh Diop. Je demande surtout aux gens de ne pas baisser les bras. Je demande surtout à la jeunesse de ne pas baisser les bras. Je demande à la jeunesse de rêver. Moi, je pense que dans ce monde-là, rien n'est possible sans rêve. Vous voyez un peu? Moi, je pense que le commencement de la réalité, c'est le rêve. Voilà. C'est quand tu finis de rêver, que tu en vis. Quand tu en vis, que ton rêve prenne forme, c'est comme ça que tu finis par réaliser quelque chose. Voilà. S'il y a une maturité qui t'a dit « I have a dream », qui a rêvé qu'un jour, un noir allait être président des États-Unis, et aujourd'hui, il y a un noir qui est président aux États-Unis, moi, je pense qu'un Africain, un jeune Africain peut rêver de remporter la Coupe du Monde. Et puis l'Afrique remportera la Coupe du Monde un jour, pourquoi pas. Voilà, donc rien n'est possible sans rêve. Voilà, qu'on arrête de se morfondre sur nos sorts, qu'on arrête d'attendre tout des politiques, qu'on arrête d'attendre tout de l'Occident. C'est surtout ça aujourd'hui qui bloque l'Afrique. On est dans un monde où les gens pensent que tout viendra. D'ailleurs, on va quand même pas passer tout notre temps à travailler ce que j'appelle au ministère de la main tendue. Vous voyez un peu, on ne va pas tout le temps passer notre temps à demander, à penser que c'est les autres qui vont nous aider. Non, le Christ sauveur ne viendra pas de l'Occident, le Christ sauveur ne viendra pas de nous. Le Christ sauveur, c'est toi-même, c'est à toi de prendre tes décisions. C'est à toi de savoir que tu n'es pas né dans n'importe quel continent. Tu es né dans un continent qui est pillé depuis combien de millénaires. Mais jusqu'à aujourd'hui, il y a encore de l'or, il y a encore du diamant, il y a encore du pétrole. C'est qu'on n'est pas né sur n'importe quel continent. Voilà, c'est pour dire qu'on est né sur une terre qui est riche. Mais il faut que l'Africain prenne conscience de la valeur qu'il représente dans le monde. Voilà, donc on arrête de pleurer. C'est pas la peine de compter sur un politicien. Parce que la politique, je dis toujours de façon banale, la politique c'est comme une voiture en panne. C'est pas tous ceux qui poussent qui montent forcément dedans. Voilà, pas parce que ma voiture en panne, tu m'as aidé à pousser, tu m'as aidé à démarrer ma voiture que je dois forcément te prendre. Voilà, c'est pour te dire que non, c'est pas parce que tu as chanté, tu as grilloté derrière un politicien ou bien tu as pensé que désormais, demain quand tu seras à table, va t'inviter. La politique, c'est comme ça. Parce que les politiciens sont les plus ingrats, moi je pense que la société a connu. Voilà, donc comptons sur nous-mêmes, comptons sur nos convictions. Ça veut dire garçon. Un vrai garçon ne met jamais sa main en bas de son manteau. Mais qui allait porter la croix si c'était une femme qu'on appelait Jésus? Ça donne des galères, toi tu pleures. Dagou, franchement, tu m'as déçu. La chance, c'est qu'on puisse de 22h. Si tu rates ça, tu vas dormir au plateau. On t'a dit, on t'a répété. L'avenir appartient à celui qui s'élève tôt. Ce que tu vois dans mon visage là, c'est pas sort, c'est sûr. Abigail est dû, on sait, mais nous tous, on a qu'à prendre gros cœur. Celui qui dort, c'est pour lui qui fraya. Awa Sakara, on dit, ce qui est dans ton ventre là, c'est ça qui est pour toi. Tati, Pakma, Ligi, Wakekba, au-delà de Yera, Mayra, soit cracra. Grigra, qui vivra va pendra. Maman Sali Binaté. C'est vrai que la vie est dure pour toi, mes frères sont les récupères. Janice et Xavier.